Bonjour. Ceci est le deuxième épisode de la série de vidéos sur l'histoire de France pendant l'époque victorienne. Dans l'épisode précédent, nous avions vu le début de la mise en place du projet Afrique Bleue, l'état de la France au début de la période victorienne et ses guerres de conquête en Afrique du Nord. Dans cet épisode, nous verrons que la France n'a pas toujours eu comme stratégie de s'attaquer aux plus faibles et de s'étendre uniquement avec des guerres. Pour preuve, elle savait coloniser des territoires en y chassant les autochtones présents ou en les soumettant uniquement par la force et l'intimidation, donc tout à fait pacifiquement. Nous verrons également qu'elle savait aussi se battre contre les plus forts, ainsi nous détaillerons le premier conflit franco-britannique de l'époque victorienne. Reprenons en 1840 avec un point important qui a permis aux différents peuples des territoires nouvellement assimilés d'être mieux soumis, eux intégrés. Il s'agit du projet de loi sur le multiculturalisme qui vient d'être voté et accepté. Ainsi, les peuples nouvellement soumis intégrés, de par la colonisation ou les conquêtes françaises, n'étaient plus discriminés et n'avaient plus de véritable raison de déclarer leur indépendance ou de se révolter, leur liberté ne comptant pas. Dans la même période, en septembre 1840, l'industrie française fit un pas en avant majeur, de par l'inauguration de ses toutes premières usines de moteurs. Ces dernières lui permettront de ne plus être dépendant du commerce pour en avoir, car en cas de conflit ou d'embargo, c'est le pays entier qui serait ralenti. De nombreuses usines ont également été fabriquées cette année-là, mais le fait majeur à retenir de 1840, c'est une violente tempête qui a frappé la Guyane le 29 décembre. Bonne année sous les gravats. Des fonds exceptionnels ont été envoyés pendant 2 ans, à hauteur de 8000 pounds par mois, soit un total de 192 000 pounds sur 2 ans. Une dépense importante qui a très probablement ralenti le développement économique dans cette période, mais qui a sans doute réussi à prévenir de la famine dans cette région. Technologiquement, la quinine, un traitement contre la fièvre utilisé par les Indiens sud-américains, fait à base d'écorce de quinina, un arbre poussant en Amérique du Sud, vient d'être trouvée. La France peut maintenant créer de nouvelles zones coloniales un peu partout en Afrique de l'Ouest, jusqu'au Cameroun, sans grande crainte. Les colonies françaises grandissent bien, mais les colonies anglaises également. La France ne voit pas ça d'un très bon œil, mais ne veut pas engager de conflits armés pour l'instant. Diplomatiquement, la France est bien vue par la majorité des pays du monde, les menaces les plus proches étant les Anglais et la Prusse. Cette dernière maintient des relations agréables avec la France, mais leur attitude envers elle est méfiante. Ils la voient comme un voisin militairement menaçant, et un ennemi naturel qu'il voudrait contrarier. Pour ce faire, la Prusse propose un accord commercial avec la France. Le roi ne comprend pas très bien la stratégie prussienne et accepte de bon cœur. L'accord fut dissous quelques semaines plus tard, car l'économie française trop puissante commençait à couler les usines prussiennes en à peine quelques jours. Une réaction de retrait rapide prussienne qui restera gravée sous le terme de Blitzkrieg. Dans cette même période, des diplomates sont envoyés au Japon, pour à terme commercer avec eux et qui sait s'en faire des alliés. Une forte tradition, des créatures étranges et des lectures fabuleuses, déclara l'ambassadeur français au Japon. Cependant, tout n'est pas rose. Dans les années 1844, une proposition de loi pour la promulgation du non-interventionnisme est présentée, mais cela a fortement déplu aux ruraux, aux propriétaires terriens et aux syndicats de travailleurs, et ces derniers, fort mécontents, parlent déjà de révolution un peu partout dans les territoires français. Le gouvernement a dû vite réagir pour ne pas plomber les fêtes de fin d'année. Ainsi, la proposition sera abrogée le 6 décembre 1844, à l'approche des fêtes. Le gouvernement ayant prévu de partir en vacances, il ne voulait pas se prendre le chou et devoir rester travailler. À la place, proposons-leur la loi Joyeux Noël, un petit cadeau, en proposant la séparation totale du clergé et de l'État. Ainsi Jésus est né, ainsi la proposition de loi est née et sera débattue. Mais l'année prochaine, faut pas abuser. C'est finalement le 19 mai 1846 qu'elle sera acceptée. L'Église n'aura plus son mot à dire dans les affaires d'État français, et les autres religions ne seront plus discriminées. Les nouvelles lois concernant le multiculturalisme et la séparation totale de l'Église et de l'État ont rapidement des répercussions partout en France. Le courant de pensée libéral radical en France entraîne des actions révolutionnaires au Nauru, le 11 juillet 1846. Ces pensées se propagent rapidement dans les pays voisins, à peine 14 000 km au-delà, comme en Belgique par exemple. Suite à ces événements, un développement calme et durable se fera ressentir. En effet, la France n'a pas été en guerre depuis presque 6 ans, un nouveau record au Guinness Book.
Ce record n'ira pas plus loin, car le 4 novembre 1847, la famille française des précédentes conquêtes ayant baissé, elle décide de reprendre sa fantochisation des pays d'Afrique, en commençant par le Bénin. Coup de théâtre, la Grande-Bretagne vient en renfort. Le message est clair, les Anglais veulent faire chier les Français. Encore ! Toutes les troupes sont mobilisées et envoyées aux différentes frontières, mais le Bénin accepte les conditions de la France et la guerre est évitée. C'est une bonne chose car la conquête est rapide, mais on n'a pas pu taper sur les Anglais, je suis dégoûté, dira le roi. L'hostilité entre ces deux pays est palpable. D'ailleurs, un conflit débutera vraiment le 20 avril 1848, quand la Grande-Bretagne rejoindra les Oyo dans leur coup diplomatique contre la France, qui a simplement voulu en faire un pays fantoche. Ça fait beaucoup là, non ? La tactique de la France est simple, elle veut contrôler les territoires anglais d'Afrique rapidement, ce qu'elle fera avec brio, sauf en Mauritanie. Ici, des dizaines de milliers d'Anglais défendent du sable, comme des acharnés. On ajoutera à ça de petits commandants qui sont envoyés un peu partout dans différentes colonies anglaises pour contrôler leur territoire. La surprise viendra du Maroc. Ils ont réussi à prendre Gibraltar, une place forte réputée imprenable anglaise. Bien que nouvellement annexée, le Maroc montre sa détermination auprès des Français et sera récompensé par des médailles et ce mot du roi, Tahanina. A partir de ce jour, le Maroc a été officiellement reconnu par la France comme véritable nation, car un pays sachant taper sur les Anglais aussi bien est forcément un grand pays. La France et ses alliés gagnent sur tous les fronts, même en mer. Comme nous l'avons vu, seule la Mauritanie résiste véritablement aux Français. La France en profite pour attirer tous les Anglais dans cette région, pour avoir le champ libre ailleurs. Une tactique qui fonctionne, l'ensemble des troupes anglaises défendent du sable. L'Oyo est tombé dû principalement aux efforts algériens, libérant nombre d'hommes de ce front. Ainsi, l'état-major français change de stratégie et décide de faire un débarquement surprise près de Londres. Sacré père de baloche, déclara le roi. Si cette tactique fonctionne, Londres devrait être prise avant que leurs renforts arrivent. Et finalement, après une grande bataille navale, les troupes françaises débarquent le 31 janvier 1849 en Home Counties. L'ombre tombe le même jour, les troupes françaises sont rapides, et les troupes anglaises mettent du temps à arriver. Elles n'ont pas été prévenues de l'invasion française à temps. C'est finalement le 22 février qu'elles viendront essayer de reprendre Londres en vain. La France décide d'envoyer le gros de ses troupes chez les Anglais. Ces derniers, privés de leur capitale, capituleront totalement le 11 août 1849, concédant ainsi la libération du Danemark, de la Sierra Leone, de la Belgique, des réparations à hauteur de 10% de leur trésor pendant 5 ans, ainsi que ce qui sera appelé l'humiliation anglaise, le port de traité en Home Counties, ce qui donne les terres du sud de Londres à la France. Et cette dernière possède maintenant un pied-à-terre en Grande-Bretagne qui, si elle veut se tenir de nouveau contre la France, se verra menacée par des troupes françaises terrestres et ne pourra pas compter sur sa flotte pour se défendre. Mais la France n'est pas en reste. Elle décide d'envoyer un cadeau aux Anglais, leur souhaitant une bonne défaite. Ainsi a été envoyé 200 grammes de sable de Mauritanie pour féliciter les soldats qui y étaient et qui ont défendu ces terres. De nombreuses phrases seront dites ce jour-là. On retiendra... « Napoléon, tu es vengé », dira le général Hugo Baragoué. Ou encore « Sans le nuage de pollution, on verrait Big Ben d'ici », dit le roi en visite au nouveau territoire français de Home Counties. Les Français ont fait ravaler leur fierté aux Anglais. « Ils ne reviendront pas de sitôt », scandait-on à Paris. Mais l'histoire nous démontra le contraire. Nous nous arrêtons ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous verrons le second conflit franco-britannique, une France au bord de la Révolution et une tentative de république présidentielle. Je vous remercie d'avoir suivi cette instruction, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous nous retrouvons vendredi prochain à 15h pour le prochain épisode.